بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اللقاء وهذه الجلسة وهذه الجلسات القادمة نجعلها في قراءة ودراسة مؤلف صغير الحجم كبير المنزلة سماه مؤلفه رحمه الله ستة مواضع من السيرة. Nous allons, inshallah ta'ala, à partir d'aujourd'hui, lire ce livre qui est entre nos mains et qui est intitulé « Six événements dans la sirah ». La sira, c'est la biographie ou la vie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet écrit est court, il est concis, mais de par ce qu'il contient comme enseignement, il est grand et riche. L'auteur de cet écrit est le savant Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Il a été commenté par le Cheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahullah. Cet écrit n'est pas un écrit concernant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le titre pourrait laisser penser. Mais c'est plutôt un écrit qui a pour but de montrer l'importance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la gravité de l'association à Allah azza wa jal. Il a aussi pour but de montrer l'ignorance dans laquelle beaucoup de gens nagent à travers six événements qui se sont déroulés dans la vie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. L'auteur a dit Bismillahirrahmanirrahim Ta'ammal rahimakallah sittata mawadi'a min as-sira wafhamha fahman hasana. Médite, qu'Allah te fasse miséricorde, sur six événements de la sira et comprends-les correctement. Donc, on comprend que l'auteur va nous citer six événements et celui qui sort avec la compréhension de ces six événements va enrichir ses connaissances et de surcroît se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala davantage et faire grandir sa clairvoyance dans la religion d'Allah. Azza wa Jal. Ce qui est voulu par le mot as-sira, c'est un terme qui vient du mot de base as-sayr, qui veut dire le cheminement, le fait de suivre, d'emprunter une voie, une route, un chemin. C'est pourquoi là, on appelle la caravane, la voiture et tous ces moyens de locomotion, comment ? Sayyar. D'où vient ce terme de sayr ? Qui veut dire cheminement. Pourquoi est-ce que quand on parle de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on utilise le mot sira? Car ce qui est voulu à travers cela, c'est montrer le cheminement, la voie suivie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs domaines, parmi lesquels l'adoration, le relationnel, les comportements et tous les faits de sa vie alayhi salatu wa sallam. C'est-à-dire que la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, est pour nous, les musulmans, les croyants, un chemin que l'on doit suivre, que l'on doit étudier et connaître en détail afin de le suivre. C'est pourquoi les savants historiens qui ont écrit sur la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, ont appelé leur livre « Sira », c'est-à-dire ce que vous venez de comprendre. Donc c'est la voie empruntée par le prophète alayhi salatu wassalam depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé et cela jusqu'à ce qu'il reprit son âme alayhi salatu wassalam dans le domaine de l'adoration, dans le domaine du relationnel mais aussi dans le domaine de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala et la façon de le faire et ce par quoi on commence quand on appelle à Allah. Dans le domaine de la lutte, de l'émigration,
de l'enseignement et bien d'autres choses. Tous les actes, paroles et conduites adoptées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam relèvent de ce qu'on appelle as-sira. Voici ce qu'on appelle as-sira. Et le musulman doit avoir un minimum de connaissances concernant la sira, la vie, la méthodologie, la voie suivie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, s'adresse à nous, les croyants, en disant « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا » Dans Sourate Al-Ahzab, l'écoalisé. Ce qui veut dire, vous avez certes, en la personne du messager d'Allah, un bon modèle à suivre pour celui qui espère en Allah et évoque Allah abondamment. Celui qui espère rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala et voir son Seigneur satisfait de lui a un bon modèle à suivre, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ibn Kathir rahimahullah a commenté ce verset et il dit: hadhihi al-aya aslun fi at-ta'assi bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset est une preuve de base indiquant l'obligation d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le suivre. Et cela ne peut se faire qu'après la connaissance de celui-ci alayhi salatu wa sallam, de savoir à quoi ou pourquoi est-ce qu'il a été envoyé, à quoi est-ce qu'il a appelé, quand il a appelé, à ce à quoi il a appelé, par quoi est-ce qu'il a commencé, quels sont les différents événements qu'il a rencontrés, les situations de sa vie, comment était-il avec ses compagnons radiyallahu anhum. Toutes ces choses-là nous permettent d'accroître notre foi et de connaître davantage le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le but de l'étude de la biographie du prophète alayhi salatu wa sallam n'est autre que le fait de le suivre et de mettre en pratique ce que l'on a appris de ses paroles, de ses actes et de ses façons d'agir, alayhi salatu wa sallam. Contrairement à ceux qui lisent la vie du prophète, alayhi salatu wa sallam, peut-être pour passer le temps, peut-être pour avoir une culture générale, peut-être pour toutes ces choses-là, mais leur but principal n'est pas, à la fin, de tirer chaque enseignement qui se cache derrière ces événements dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu verras donc ces mêmes personnes lire un livre, deux et plusieurs, dans lesquels il y a des enseignements en or sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans savoir en tirer profit. Tu verras ces personnes qui vont sortir de ces enseignements, alaykoum salam, sans avoir atteint le but souhaité quand on étudie la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu verras des gens lire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des occasions, alaykoum salam, innovées, telles que la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien la nuit du voyage nocturne, et d'autres jours et dates, si on peut appeler ça comme ça, historique. Certaines personnes le font pour rechercher la baraka à travers la lecture de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant ces moments précis. Et tout cela ne relève pas de la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a écrit un livre intitulé Zadul Ma'ad fi hadi khayr al-ibad, qui veut dire les provisions du retour, c'est-à-dire les provisions dont nous avons besoin pour le retour à Allah Azza wa Jal le jour du jugement dernier, résident dans la guidée du meilleur des serviteurs. Et ce livre est magnifique. Il traite de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, nous avons comme livre le livre de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, Al-Fusul, fi sirati rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui pourrait être traduit littéralement par les chapitres
dans la vie du prophète, du messager, sallallahu alayhi wa sallam. D'autres livres ont été écrits, plus ou moins bons. D'autres, alaykum salam, qui contiennent certaines erreurs, et d'autres même qui sont complètement infondées et qui ont pour but de propager des innovations religieuses, d'où l'importance de connaître la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers ces 6 événements qui vont nous être cités dans ce livre, le croyant qui les saisit et les comprend correctement va sortir avec beaucoup de leçons. L'auteur a dit: لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه. Ainsi, Allah te fera comprendre la religion des prophètes pour que tu la suives, et la religion des associateurs pour que tu t'en abstiennes ou pour que tu la délaisses. Donc, connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam et méditer les événements de sa vie sert à comprendre le message des prophètes. Car les prophètes ont tous le même message. Également, il sert à comprendre tout ce qui contredit ce message béni qui émane d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le but de s'en éloigner. Car il n'est pas suffisant de connaître le bien. Le croyant doit aussi connaître le mal dans le but de s'en éloigner. Celui qui nous a enseigné ce principe, c'est Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, ce noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui le prophète alayhi salatu wassalam a confié un secret, une feuille dans laquelle il y avait écrit certains noms parmi les hypocrites. Hudhayfa a dit, cela nous est rapporté par l'imam al-Bukhari, « Kana an-nas yas'aluna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam anil khayr, wa kuntu as'aluhu anil sharri makhafata an yudrikani. » Les gens à l'époque interrogeait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, c'est-à-dire sur ce qui est bien, les bonnes actions, comment prier, comment se rapprocher d'Allah davantage. Et le prophète leur répondait alayhi salatu wa sallam: quant à moi, je l'interrogeais sur le mal de peur qu'il ne m'atteigne. Et à travers cette parole, on voit l'éducation que les compagnons ont reçue de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il leur a enseigné le bien, mais aussi le mal, dans le but de s'en éloigner. Et une personne qui ne connaît pas le mal est plus à même de tomber dans celui-ci. Donc voici le but recherché à travers l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fait de comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne qui emprunte une route, qui marche sur une voie et qui ne connaît pas cette même route qu'elle a suivie, cette personne est ignorante qu'il y a des obstacles, des pièges, des embûches sur ce chemin qu'elle a suivi. Si cette personne ne le sait pas, forcément, elle tombera dedans. Par contre, si elle le sait, elle va s'en préserver. Eh bien, dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est bien plus important. Car la religion d'Allah Azza wa Jalla pour le croyant, c'est une route vers Allah. C'est un cheminement qui amène Allah Azza wa Jalla si celui qui suit cette route la suit correctement. En premier lieu, dans le domaine de la croyance. Alaykoum salam. Le musulman chemine vers Allah Azza wa Jalla en adoptant la croyance correcte et en s'éloignant de ceux qui s'y opposent. En comprenant l'unicité d'Allah Azza wa Jal, en connaissant Allah Tabaraka wa Ta'ala par ses noms parfaits et ses attributs Tabaraka wa Ta'ala, il est donc impératif aux croyants de connaître le bien et aussi le mal. L'auteur a dit: fa inna akthara man yad'i ad-din wa yad'i annahu min al-muwahhidin la yafhamu as-sunnata kama yanbaghi. Car beaucoup de ceux qui prétendent suivre la religion et être monothéiste ne comprennent pas la sunna comme il se doit. Et c'est ce qu'on va voir à travers ces 6 événements. Nous ne sommes que dans l'introduction. Donc ici, l'auteur te montre l'importance de ces 6 événements et d'en tirer les leçons qu'il faut.
Car beaucoup de gens qui sont croyants, qui sont musulmans, ont un manque de compréhension dans le domaine de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À titre d'exemple, ceux qui associent Allah subhanahu wa ta'ala et qui vouent le culte à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, que ce soit Quraysh, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, salam, ou bien ceux qui s'apparentent à l'islam mais qui pensent faire le bien en faisant des actes qui sont identiques aux actes faits par le peuple de Quraysh. Ces gens-là, en fait, commettent de l'association à Allah, Azza wa Jal. Et quand ils le font, ils pensent faire le bien. Ils pensent se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'ils tombent dans cette erreur? Parce qu'ils ignorent ce qu'est le polythéisme, l'association. Ils l'ignorent et ils ignorent sa gravité. À cause de cette ignorance, ils se sont retrouvés à adorer Allah, Azza wa Jal, avec une chose qui ne fait que les éloigner d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Par exemple, ils immolent des bêtes, sacrifient pour autre qu'Allah, Azza wa Jal, que ce soit pour les pieux, les saints et autres. Ils recherchent la bénédiction auprès des tombeaux de leurs saints. Ils leur demandent le secours. Ils vouent à autre qu'Allah ce que l'on ne doit vouer qu'à Allah, seul et sans associé. Si l'un d'entre eux est interrogé, pourquoi est-ce que tu fais cela ? Celui-ci répondra, نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ. Nous savons pertinemment qu'ils n'ont rien de l'ordre, c'est-à-dire de l'ordre d'Allah Azza wa Jal. وَأَنَّهُمْ لَا يَنْفَعُونَ وَلَا يَضُرُّونَ. Ils ne nuisent en rien ni ne tirent profit. لَكِنْ هُمْ صَالِحُونَ. نُرِيدُ مِنْهُمْ أَنْ يَتَوَسَّطُوا لَنَا عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Mais ils sont pieux. Et ce que nous voulons d'eux, c'est qu'ils soit pour nous des intermédiaires pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal a dit au sujet de ceux qui les ont précédés et qui sont sur la même voie que ces gens. Il dit وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ce qui veut dire, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne les nuit en rien, ni ne leur tire profit, et disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah, Azza wa Jal. Le mot « dunillah », en dehors d'Allah, désigne tout ce qui est autre qu'Allah, Azza wa Jal. Car tout ce qui est autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, est forcément en dehors d'Allah, en dessous d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, ceux qui vouent le culte à quiconque, que ce soit des anges, des prophètes rapprochés, des pieux qui ont été connus pour leur piété et leur foi en Allah Azza wa Jal. Ceux qui leur vouent des cultes n'ont rien à voir avec les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'Allah nous enseigne ici que ces divinités à qui on a voué le culte ne tirent ni profit ni nuisance. Allah Azza wa Jal nous informe donc que le but recherché à travers ces adorations, c'est qu'ils soient des intermédiaires pour les rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a aussi dit dans l'autre verset, وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Et ils les font dévier de la voie, c'est-à-dire la voie correcte, et ceux-ci pensent être bien guidés. Donc Allah Azza wa Jal nous enseigne que parmi ses serviteurs, il y en a qui pensent être bien guidés alors qu'en fait ils ont été déviés, dupés par les diables qui les ont tentés à commettre ce qu'Allah Azza wa Jal a proscrit, a interdit. Et le Cheikh Al-Fawzan dit que cela est une chose que l'on voit, de nos jours. Beaucoup de ceux qui s'affilient à l'islam commettent des actes d'association en pensant que ces actes font partie de l'islam, sont aimés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quelle est la cause de ces actes, si ce n'est l'ignorance qu'ils ont eue quant à la sunna du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui médite et qui sait méditer la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va comprendre ce qu'est l'islam et va comprendre quel est le but
ultime de l'islam. Et c'est ce que l'on va voir ici, Inch'Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous cite que ces actes commis par ces gens qui sont ignorants relèvent de l'association. Que ces actes soient l'immolation ou bien la recherche auprès de ces divinités de la bénédiction, ces gens-là, quand on les interroge, disent ce qu'Allah lui-même nous a informé à leur sujet. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ Sourate Az-Zumar, les groupes, verset 3. Allah Azza wa Jalla a dit ce qui veut dire: et ceux qui ont pris en dehors de lui des alliés, ceux qui ont pris en dehors d'Allah Azza wa Jalla des alliés, en les aimant comme on aime Allah, en les invoquant comme on invoque Allah, en leur vouant des offrandes comme on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent: nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Voici l'ambiguïté émise par ces gens-là. Pourquoi est-ce que vous le faites? Ils répondent: on ne le fait que pour que ceux-ci nous rapprochent davantage d'Allah. Nous sommes faibles, nous avons des péchés, eux sont pieux, proches d'Allah. Si on leur voue ces actes, ils parleront auprès d'Allah Azza wa Jal en notre faveur, et ainsi Allah Azza wa Jal nous acceptera. Cette ambiguïté est exactement la même que l'on retrouve chez les chrétiens qui adorent Isa alayhi salam pour se rapprocher d'Allah comme ils le prétendent. Comment est-ce qu'Allah a jugé leur acte? Dans le même verset, Allah Azza wa Jal dit ce qui veut dire: certes, Allah jugera entre eux dans ce sur quoi ils divergent. Les savants du tafsir ont dit: Allah jugera entre les monothéistes et les polythéistes, ceux qui n'adoraient qu'Allah et ceux qui lui associaient. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Certes, Allah ne guide pas celui qui est menteur et mécréant. Et si on médite ce verset, on voit que ces gens-là ont été décrits par Allah Azza wa Jal par plusieurs caractéristiques blâmables. Premièrement, ils commettent de l'association, puisqu'ils le prennent des alliés en dehors d'Allah. Deuxièmement, Allah Azza wa Jal ne les guide pas, ce qui signifie qu'ils sont égarés. Troisièmement, Allah Azza wa Jal les a décrits comme étant menteurs, car cette croyance qu'ils ont n'est pas conforme à la croyance véritable de l'islam. Donc cette croyance est un mensonge forgé à l'encontre d'Allah Azza wa Jal. Quatrièmement, ils ont été décrits par Allah Azza wa Jal par la mécréance en raison de l'acte qu'ils ont commis. Allah Azza wa Jal nous dit: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne les nuit en rien ni ne leur tire profit, et disent: ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Dis: est-ce que vous allez informer d'Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre? Pourquoi est-ce qu'Allah nous cite alaykoum salam, cette question? Parce que celui qui cherche à ce que l'on intercède en sa faveur, en général, il le fait afin que celui qui va intercéder pour lui présente la situation de cette personne à une troisième qui ignore la situation de cette personne qui a besoin de l'intercession. Et Allah Azza wa Jal est exempt de ça. Il n'a pas besoin que l'on intercède chez lui pour quelqu'un afin qu'on lui informe de ce quelqu'un, puisqu'Allah est celui qui l'a créé et il connaît la situation de ses créatures dans les cieux et sur la terre. Puis Allah dit: Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Exempt soit-il et élevé au-dessus de ceux qui lui associent. Subhanallah, ce mot-là signifie exempt soit Allah. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal est loin de tout manquement dans ses noms et dans ses attributs. C'est pourquoi quand ils ont dit qu'Allah a un enfant, Allah a dit: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ. Qu'est-ce qu'Allah a répondu?
Quand ils ont dit « Le tout miséricordieux s'est attribué à un enfant », Allah leur a répondu « Subhana », c'est-à-dire « Exempt soit-il ». Il est tellement parfait qu'il ne peut avoir d'enfant. Ceci étant dit, voici le premier événement cité par l'auteur. المودع الأول قصة نزول الوحي وفيها أن أول آية أرسله الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر ولربك فاصبر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. L'auteur a dit, le premier événement est en rapport avec l'histoire de la révélation. La révélation, c'est ce que vous voyez dans le premier hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans son recueil authentique. Donc, ce qui est en rapport avec la révélation quand Jibril alayhi salam s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le but de l'informer qu'il est un prophète et plus tard un messager à qui on a donné l'ordre de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette histoire, on voit que le premier ou les premiers versets par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a fait de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un messager chargé de transmettre le message, nous voyons que ces versets sont les premiers versets de la sourate Al-Muddathir, qui veut dire l'enveloppé. Nous allons voir pourquoi l'enveloppé, pourquoi ce nom. Qui est l'enveloppé? Qui est l'enveloppé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ces versets, Allah azza wa jal s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Ô toi l'enveloppé, lève-toi et avertis. Proclame la grandeur de ton Seigneur. Proclame la grandeur de ton Seigneur. Purifie tes vêtements. Éloigne-toi des idoles et sois endurant pour ton Seigneur. » Donc, après nous avoir cité ce premier événement, donc l'auteur, le cheikh qui fait son commentaire nous explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant son envoi, avant qu'Allah en fasse un messager, comme vous le savez, il contredisait son peuple dans ses coutumes païennes qu'ils avaient. Il refusait de s'adonner à ce à quoi eux se sont adonnés. Comme adoration des idoles. Ils avaient des divinités parmi lesquelles Hubal, Uzza et bien d'autres encore, qu'ils adoraient en dehors d'Allah, des statues. Subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais agréé ces actes. Il n'a jamais trouvé de désir à suivre cette voie et à imiter ces gens-là. Il a donc décidé de s'isoler, sallallahu alayhi wa sallam. Et il faisait cela dans une grotte qui s'appelle Ghar Hira. Ghar Hira, c'est-à-dire la grotte qui est dans la montagne de Hira. Cette grotte était dans un sommet élevé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait dans cette grotte qui était en direction de la Kaaba, alayhi salatu wa sallam. Dans celle-ci, il s'y asseyait ou il s'asseyait de longues journées. De longs mois. Il adorait Allah Azza wa Jal et s'écartait des gens. Sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la voie qu'il suivait dans les adorations qu'il vouait à Allah? Il suivait la voie du prophète Ibrahim alayhi salam. Rahimukallah. Car on nous a enseigné que les Arabes, certains parmi eux, avaient des restes de la religion du monothéisme, celle d'Ibrahim et de tous les prophètes alayhim as-salatu wassalam. Et le prophète alayhi as-salatu wassalam adorait Allah azza wa jal en se basant sur le peu qu'il restait des rites institués ou légiférés par Ibrahim, par Allah azza wa jal, par l'intermédiaire du prophète Ibrahim. C'est alors que s'est présenté à lui Jibril alayhi as-salam dans la grotte de Hira. Quand il est venu à lui, Jibril lui a dit « Iqra, lis ou récite ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'éloigne de son peuple, voit un ange. Et vous pouvez vous imaginer ce qu'il ressent.
il voit un ange qui se présente à lui et qui lui dit « Iqra, lis ». Il est seul, personne n'est avec lui. C'est la première fois qu'il voit un ange. Il voit le meilleur des anges, Jibril alayhi salam. Le prophète alayhi salatu wa salam, apeuré, répond « Ma ana biqari, je ne sais pas lire ». Allah azza wa jal a fait en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sache pas lire. Et derrière ça, il y a une très grande sagesse. Car s'il savait lire et écrire, on aurait dit de lui qu'il est un poète, ou bien que le livre avec lequel il arrive, qui est le Coran, a été écrit par lui-même, alayhi salatu wa salam. Pour repousser cette ambiguïté, Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte que son prophète ne sache pas lire. Allah azza wa jal rappelle à son prophète ce fait, il lui dit, dans le verset 48 de sourate l'Araignée et l'Ankabout, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Ce qui veut dire, et tu ne connaissais pas, tu ne lisais aucun livre avant celui-là, c'est-à-dire le Coran, et tu n'écrivais rien de ta main. Donc tu es illettré, tu ne sais ni lire ni écrire. Car, donc dans la traduction de la suite du verset approximative, si tu le savais, tu savais lire et écrire, les négateurs auraient douté de toi. Ils auraient dit, il est évident que c'est lui qui a écrit. Mais ça, c'est un argument qui ne pouvait être émis par ces gens-là. Personne ne les aurait cru. Le prophète ne sait pas lire. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète ne sait pas lire, ne sait pas écrire. Tout au long de sa vie. Alayhi salatu wa sallam. Et quand il écrivait des lettres, ce n'est pas lui qui les écrivait. Mais il envoyait des compagnons, il dictait à ses compagnons ce qu'il voulait. Ensuite, ses compagnons écrivaient et ils prenaient la bague qu'ils portaient à sa main sur laquelle il y avait écrit Muhammad Rasulullah, ils s'en servaient comme tampon. Et il appuyait dessus et ensuite il envoyait ses lettres sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit à Jibril, je ne sais pas lire. Jibril alayhi salam prend le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le serre contre lui très fort. Le prophète alayhi salatu wa sallam, doublement apeuré, dit, je ne sais pas lire. Et Jibril alayhi salam le reprend une deuxième fois, le serre très fort, plus fort d'ailleurs que la première fois, le relâche et à la fin, il lui révèle les 5 premiers versets de Sourate Al-Alaq, l'adhérence, Sourate 96, dans laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram » الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. Et là, il lâche le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'en va. Le prophète alayhi salatu wa sallam a mémorisé ces 5 versets. Et donc, ces versets signifient lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Celui qui a créé l'homme à partir d'une adhérence. Al-alaq, l'adhérence, c'est ce qu'il y a dans l'utérus, le ventre de la mère, quand elle commence à tomber enceinte. Plus précisément, cela nous est rapporté par l'imam al-Bukhari, selon Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui veut dire, la création de l'un d'entre vous se fait dans le ventre de sa mère pendant 40 jours sous la forme d'une adhérence. Ensuite, pendant 40 autres jours sous la forme d'une pâte. Et 40 autres, pardon, sous la forme d'une, pardon. Les premiers 40 jours, la goutte de sperme. Les deuxièmes 40 jours, la deuxième quarantaine, c'est l'adhérence. La troisième quarantaine, c'est ce qui ressemble à une pâte. Ce qui fait un total de 120 jours. Après ces 120 jours, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange qui est chargé d'insuffler l'âme à cet enfant et de lui écrire sa destinée. Donc, voici l'adhérence dont Allah parle dans ce deuxième verset. Iqra wa rabbuka al-akram. Lis, et ton Seigneur est le plus noble. Alladhi 'allama bil-qalam, celui qui a enseigné par la plume. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc on voit que la première chose révélée par Allah Azza wa Jal, c'est l'ordre de s'instruire et d'étudier. Donc celui qui apprend cette chose-là,
dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doit pas passer insouciant. Il doit se dire que la première chose ordonnée par Allah, c'est le fait de s'instruire, d'enrichir les connaissances religieuses. Et c'est à cet effet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid din » rapporté par al-Bukhari selon Muawiyah radiyallahu anhu. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans sa religion. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend alors la fuite. Il descend de cette grotte dans laquelle il s'isolait pour s'adonner à l'adoration d'Allah azza wa jal. Qui est-ce qu'il va voir? Son épouse, Khadija, radiyallahu ta'ala anha, umul mu'minin, la mère des croyantes, cette femme pure, chaste, cette femme bénie, qui a secouru et soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il arrive vers elle, il lui raconte ce qui vient de se passer. Et il lui dit, laqad khashitu ala nafsi. J'ai eu peur pour moi-même. J'ai eu peur pour moi-même. Et Khadija, radiyallahu anha, lui a dit, kala wallah, la yukhzik Allahu abada. Non par Allah. Allah ne va jamais t'avilir. Il ne va jamais te délaisser, t'abandonner, t'humilier. Innaka la tasilu rahim. Et ensuite, elle s'est mise à énumérer ses caractéristiques, ses qualités sublimes. Elle lui dit, certes, tu lis le lien de parenté. Wa tuqri ad-dhayf. Tu honores l'hôte ou ton invité. Wa tahmilu al-kal. Wa taksibu al-ma'doum. Et elle s'est mise à citer le fait qu'il est hospitalier, le fait qu'il aide celui qui est dans la difficulté et bien d'autres choses. Donc, elle s'est servie de ses qualités comme preuve qu'Allah Azza wa Jal ne va pas l'abandonner. Et que cette chose qui lui est arrivée est forcément une bonne chose. C'est donc la première femme qui a soutenu le prophète alayhi salatu wassalam et la première croyante, Khadija bintu Khuwaylid, la fille de Khuwaylid radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite dit dathiruni, dathiruni, couvrez-moi, couvrez-moi. Il était tellement apeuré qu'il a demandé aux siens de le couvrir sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il s'est passé ce qui a été connu dans l'histoire, c'est que Khadija a emmené le prophète sallallahu alayhi wa sallam voir son cousin Waraqa ibn Nawfal, qui faisait partie des gens qui lisaient l'ancien livre dans lequel il y avait l'information de la venue du dernier prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est arrivé à lui, il l'a dit que il lui a dit j'aimerais être vivant quand ton peuple va te chasser. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit « Awa mukhriji yahum » Vont-ils me chasser ? Waraqa lui a dit « À chaque fois qu'un prophète vient avec ton message, son peuple le chasse. » Ensuite, des jours sont passés. Allah Azza wa Jal est plus savant de cette durée. Après cette durée, le prophète s'est apaisé. Les savants disent que la sagesse qu'il y a dans le fait qu'Allah Azza wa Jal n'a pas légiféré des versets tout de suite après, c'est d'apaiser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il s'est tranquillisé, Jibril est revenu au prophète alayhi salatu wa sallam. Et il lui a dit, Ya ayyuhal muddathir, ô toi l'enveloppé, qum, lève-toi, fa'anzir, et avertis. Ce qu'on appelle en arabe al-inzar, qui est traduit en français par l'avertissement, à la base, le mot inzar dans la langue arabe vient de nazara. Nazara dans la langue arabe signifie, à la base, ou plutôt c'est une branche, le vœu, le fait de vouer une chose pour Allah Azza wa Jal. Mais dans la base du sens de ce mot à trois lettres, il y a une notion de crainte. Pourquoi est-ce que le vœu a été appelé nazar? Parce que celui qui formule un vœu craint qu'une chose ne lui passe sous le nez. Alors il se force de faire cette chose-là. Pourquoi est-ce que l'avertissement a été appelé al-inzar? Car c'est al-inzar, l'avertissement est une information dans laquelle il y a une crainte. Al-inzar ma'a al-tahwif. C'est-à-dire averti-les. Informe-les de la menace d'Allah Azza wa Jal qui va les toucher dans le cas où il s'oppose à ton message. Averti-les, ce qu'on appelle al-inzar. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ
et proclame la grandeur de ton Seigneur. Wa thiyabaka fatahhir, et purifie tes vêtements. Les savants du tafsir ont dit, c'est-à-dire, purifie tes actes de toute forme d'association. Pourquoi est-ce que les actes ont été appelés vêtements? Allah Azza wa Jal a cité dans un autre verset, وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ, et le vêtement de la piété est bien meilleur. Donc Allah Azza wa Jal a cité que les bonnes actions, parmi lesquelles la piété, sont un vêtement pour le croyant. Donc quand Allah Azza wa Jal ici dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, purifie tes vêtements, il veut ici dire, purifie tes actes. De quelle chose est-ce qu'on les purifie? De toute forme de shirk, de toute forme d'association. وَالرُّجِزَ فَهْجُرُ, et détourne-toi de toutes les idoles, ce qu'on appelle en arabe al-rujz ou bien al-asnam, le pluriel de sanam. Wa li rabbika fasbir, et endure pour ton Seigneur, sois patient. C'est-à-dire que dans ton message, le message que tu vas être chargé de transmettre, il va falloir absolument que tu patientes. Et celui qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala a forcément besoin d'être endurant, car il va subir des nuisances. Elles peuvent être verbales, mais aussi physiques. Il va subir des nuisances dans son honneur. Celui qui appelle Allah Azza wa Jal et qui veut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam va subir du mal des gens. On va parler en mal sur lui. On va dire qu'il est ignorant. On va dire qu'il apporte une religion nouvelle. On va dire qu'il n'aime pas les gens. On va dire qu'il est dur. On va dire. Tout ce qui a été dit sur le prophète sallallahu alayhi wasallam. Donc ici, Allah Azza wa Jal, à travers cet événement, nous enseigne que celui qui prêche Allah Azza wa Jal va subir des nuisances. S'il ne peut pas patienter, il ne peut pas être prêcheur. Il ne peut pas appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la chose à laquelle tu dois avertir les gens au messager d'Allah? C'est l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur dit, فَإِذَا فَهِمْتَ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ أَشْيَاءَ كَثِيرًا يَعْرِفُونَ أَنَّهَا مِنَ الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ مِثْلُ الزِّنَا وَعَرَفْتَ أَيْضًا أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَةِ يَتَقَرَّبُونَ بِهَا إِلَى اللَّهِ مِثْلُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ. Il dit, si tu as compris que ces gens-là, Quraysh et leurs semblables, commettent des actes parmi les actes interdits. En sachant que ces actes relèvent de la transgression, de l'injustice, comme la fornication. Et bien d'autres choses encore. Qu'est-ce que ces gens-là faisaient? Ils tuaient les filles qui naissaient. Quand ils avaient des filles, ils les enterraient. Il y avait chez eux le meurtre, le pillage, le vol, la fornication. Ils consommaient l'alcool. Ils commettaient tout un tas de péchés majeurs, tout aussi graves les uns que les autres. Et c'est là qu'on va retenir la subtilité de cet événement. Et quelle est la leçon principale qu'il a voulu nous enseigner? C'est ce que vous allez voir, inshallah ta'ala. Si tu sais cela, et tu sais qu'avec tous ces actes interdits, ils avaient aussi des adorations avec lesquelles ils cherchaient à se rapprocher d'Allah, comme le Hajj, la Umrah. Les associateurs, les païens de Quraysh, faisaient le Hajj, ils faisaient la Umrah. Ils donnaient des aumônes aux pauvres. Ils étaient bienfaisants envers eux. Le Cheikh dit que avec ces actes de mal qu'ils avaient, ils avaient des restes de la religion du prophète Ibrahim, alayhi salam, comme le Hajj, comme la Umrah, et toutes ces bonnes actions. Ils avaient donc des bonnes actions, ils n'avaient pas que des choses mauvaises. Ils avaient bel et bien des bonnes actions, mais ils avaient des péchés immenses. Le plus grand de ceux-ci étant l'association à Allah. L'auteur a dit, وَأَجَلُّهَا عِنْدَهُمْ أَشْرِكُ فَهُوَ أَجَلُّ مَا يَتَقَرَّبُونَ بِهِ إِلَى اللَّهِ عِنْدَهُمْ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Donc avec tous ces péchés qu'ils commettaient,
ils avaient aussi des bonnes actions. Parmi les actions que ces gens-là pensaient être bonnes, l'association, le polythéisme. Car on vient de voir qu'ils cherchaient des intermédiaires pour les rapprocher d'Allah. Ils pensaient que c'était une bonne chose, mais Allah Azza wa Jalla l'avait formellement interdite. Donc ils ont reconnu que leur acte était une adoration vouée à autre qu'Allah Azza wa Jalla. Donc, tu vois ce que, vers quoi conduit l'ignorance. L'ignorance te conduit au péché. Parfois, elle te conduit même au pire des péchés. Qu'est-ce que tu comprends? L'importance d'étudier, d'apprendre la croyance correcte. L'unicité d'Allah Azza wa Jal, sous toutes ses formes. Ces gens-là, on dit, on ne les adore que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah Azza wa Jal. Ils ont donc cru que cet acte était bon. Ils ont donc pensé que c'était une vénération pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais en fait, c'était un acte d'association. Allah Azza wa Jal a aussi dit « Innahum uttakhadhu shayateena awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun » Suratul A'raf, le verset 30. « Certes, ils prenaient les démons comme alliés en dehors d'Allah et ils pensaient être bien guidés. » Ils étaient donc égarés, car ils ont pris les démons en dehors d'Allah Azza wa Jal comme alliés. Il y avait même parmi eux ceux qui ont pris en allié, adoré divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal, Isa, le prophète, Uzair, comme l'ont fait les juifs. Certains parmi eux ont pris même les anges. Ils ont pris les anges, d'autres ont adoré les djinns, d'autres ont adoré les pieux. Et Allah Azza wa Jal n'est pas satisfait de tous ces actes. Il les blâme dans le Coran et ne les accepte pas, subhanahu wa ta'ala. Au sujet des anges, par exemple, ou plutôt, d'abord, Allah tabaraka wa ta'ala dit « وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أُولَى أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ » Et le jour où il les rassemblera, eux et ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah, puis il leur dira, il dira à toutes ces divinités adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal, « Est-ce vous qui avez égaré mes serviteurs que voici, ou bien se sont-ils égarés eux-mêmes de la voie ?»« قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَا » Ils répondront à Allah, « Exempt sois-tu, il ne nous convenait pas de prendre en dehors de toi des alliés. » وَلَكِمْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا Mais tu les as fait jouir de ce bas monde, eux et leurs ancêtres, jusqu'à ce qu'ils ont oublié ton rappel. Ils devinrent alors un peuple injuste. وَقَالَ تَعَالَى وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا Et le jour où il les rassemblera tous. ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك Il dira alors aux anges, est-ce que ces gens-là vous adorez vous? Donc il s'adressera à ceux qui adoraient les anges. Ils répondront, exempt sois-tu. Regardez, les premiers, exempt sois-tu. Les deuxièmes, exempt sois-tu. Moussa, Isa alayhi salam dira aussi, exempt sois-tu. C'est-à-dire, tu es pur. Tu es le seul à avoir le droit à l'adoration et on n'a jamais demandé à personne de nous adorer en dehors de toi, ô Allah. Et alors ils se désavoueront tous de ceux qui leur ont voué l'association. Arrive ici la leçon, arrive ici la morale, arrive ici la chose très importante de cet événement. فَأَوَّلُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ الْإِنذَارُ عَنْهُ قَبْلَ الْإِنذَارِ عَنِ الزِّنَا وَالسَّرِقَ وَغَيْرِهِمَا Tu viens de comprendre que malgré les péchés que commettait le peuple de Quraysh, la fornication, le mensonge, le meurtre, la consommation de l'alcool, l'assassinat des petites filles en bas âge, malgré tout cela, quand Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qui lui fut ordonnée, c'est d'avertir les gens qu'ils n'ont pas le droit à l'association. Allahu Akbar. Wallahi, celui qui comprend bien ce point,
a compris une base de sa religion. On répète, ces gens-là tuent des filles vivantes. Ces gens-là consomment l'alcool. Ces gens-là pillent les biens et volent. Ces gens-là, alaykoum salam, commettent la fornication. Et malgré tout ce qu'on vient de citer, il y a bien plus grave. L'association Allah, Azza wa Jal, c'est la base, le but du prêche de tous les prophètes. Qum fa'anvir. Wa rabbaka fa'kabbir. Lève-toi et avertis. Dis aux gens que s'ils ne cessent pas d'adorer les divinités en dehors d'Allah Azza wa Jal, ils seront voués à l'enfer éternel. Voici la première chose par laquelle les prophètes ont commencé leur prêche et voici la chose la plus importante que beaucoup de gens ont ignorée. Il y a parmi des gens qui veulent prêcher à l'islam, appeler les gens à Allah Azza wa Jal, certains qui accentuent leur prêche sur des péchés. Mettre en garde contre les péchés est une bonne chose. Mais à quoi sert le fait de mettre en garde contre les péchés si cette même personne tombe dans l'association qui annule tous les actes de la personne? Il faut d'abord corriger la croyance pour après corriger les actes. Et toute personne qui va corriger sa croyance va forcément corriger ses actes. Et certes, la cause principale des actes mauvais que l'on commet est un problème dans notre croyance qui a un manque et qui doit être corrigé. C'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a donné ce premier ordre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Éloigne-toi des divinités. Il tue des filles vivantes. Et Allah tabaraka wa ta'ala ne lui dit pas éloigne-toi de l'assassinat des filles ou bien mets en garde ton peuple contre l'assassinat des filles, mets en garde ton peuple contre les meurtres qu'ils commettent alors que ces meurtres sont commis. Allah azawajal lui dit éloigne-toi des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où l'importance de la science de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'arafta أن منهم من تعلق على الأصنام ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم. Et tu sais que certains parmi eux, donc les associateurs, s'attachaient avec leur cœur aux idoles, d'autres aux anges, d'autres aux saints et toutes ces choses-là. Et donc, ils étaient tous dans cet égarement. Allah Azza wa Jal ne lui a pas dit mets-les en garde contre la fornication, mets-les en garde contre ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Lève-toi et avertis. Allah Azza wa Jal n'a pas légiféré au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'accomplissement de la prière, le paiement de l'aumône, le jeûne de Ramadan, l'accomplissement du hajj, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. Toutes ces choses-là ne sont venues qu'après. D'ailleurs, concernant la prière, elle n'est venue que 10 ans après. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a vécu pendant 13 ans à la Mecque, de 40 à 53 ans, a prêché de 40 ans à 50 ans, pendant 10 années consécutives, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Il s'adresse à ses compagnons et leur enseigne ce dogme qui est l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, cette croyance correcte pendant 10 ans, sans prière, sans jeûne, sans aumône et sans rien de tout cela. Et aujourd'hui, certaines personnes disent il est suffisant de lire un ou deux livres, alors que les compagnons radiallahu anhum ont pris ces enseignements pendant 10 ans de la bouche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si nous sommes meilleurs que les compagnons, alors certes, il est suffisant de lire ça dans un livre ou deux livres. Mais si on n'est pas meilleur que les compagnons, ce qui est le cas, on ne peut jamais se passer de l'étude de cette croyance jusqu'à ce que l'on quitte ce bas monde. Et c'est ce qui a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on voit la première chose à laquelle a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le premier ordre qu'il a reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens qui avaient des adorations diverses, ils adoraient les arbres, ils adoraient les rochers, ils adoraient les anges, ils adoraient. وَيَقُولُونَ مَا نُرِيدُ مِنْهُمْ إِلَّا شَفَاعَتَهُمْ, en prétextant qu'ils ne cherchaient à travers cela que leur intercession. وَمَعَ هَذَا بَدَأَ بِالْإِنْذَارِ عَنْهُ فِي أَوَّلِ آيَةٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ بِهَا
فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك. L'auteur dit, et avec tout cela, tout ce que tu viens d'entendre, la première chose à laquelle a appelé le prophète, alayhi salam, le premier avertissement qu'il leur a donné, c'est l'avertissement relatif au fait de commettre le polythéisme. L'auteur dit, si tu as bien compris ce point, alors réjouis-toi. Et je ne saurais traduire ce terme, ya bushrak. C'est comme si qu'on te disait, si tu savais le bien que tu as reçu, si seulement tu savais l'immense bien, ou bien félicitations et toutes ces phrases-là. إذا فهمت هذه المسألة, si tu as compris cette question, c'est-à-dire que le premier ordre du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est l'appel à l'unicité d'Allah et la mise en garde et l'interdiction de l'association, le polythéisme, tu vas comprendre que les autres choses, les autres actions, la prière, le jeûne, etc., ne sont bonnes que si la croyance d'abord est bonne. Car quand le prophète a appelé pendant 10 ans, il a voyagé la nuit, Allah Azza wa Jal lui a légiféré la prière, il est redescendu, il a prié pendant 3 ans à Mecca, ce qui fait un total de 13 ans. Ensuite, il a quitté la Mecque pour aller à Médine, et à Médine seulement, Allah Azza wa Jal a légiféré le jeûne, le hajj et toutes les actions de l'islam. Pourquoi ? Car il a fallu préparer des cœurs. Comment est-ce qu'on prépare les cœurs ? En corrigeant les mauvaises croyances et en les rattachant à Allah, en leur faisant connaître Allah Azza wa Jal, sa perfection, dans ses noms, dans ses attributs. Quand cette chose arrive, la communauté devient forte. Et ce principe, on le retrouve dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, وَعَدَ اللَّهُ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah a fait promesse à ceux qui ont cru parmi vous et fait de bonnes actions. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Qu'il accordera la succession sur terre comme il l'a accordé à ceux qui vous ont précédés. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. Et qu'il donnera à leur religion qu'il a agréée pour eux la suprématie. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Et il changera leur ancienne peur en sécurité. Regardez toutes ces choses-là. La sécurité, la suprématie, la réussite dépendent de la fin du verset. Si seulement on méditait le Coran. Allah Azza wa Jalla dit à la fin du verset, يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Il m'adore et ne m'associe rien. Voici la condition ultime pour réussir dans ce bas monde. Et c'est ce à quoi a appelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On s'arrête ici, inshallah ta'ala. Wa nas'alullah azza wa jal al-fiqha fi d-din wal-amal as-salih. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullah khairan.